Eh bien, salut à tous et bienvenue, enfin je peux lancer le live. Salut à tous, je suis Linklagis pour vous servir et... j'avais oublié ça. C'était pas prévu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une heure de retard. Mais c'était la galère. C'était la merde. Mais j'espère que vous allez bien. On va enfin pouvoir retourner sur Guldoir. Et avant toute chose, on dit bien évidemment bonjour au chat. Salut Blue Chihuahua, salut Aralis, j'espère que vous allez bien, vous êtes déjà présents. Seigneur Dieu, une tête volante. T'as vu, avec des ch'tis pandas en plus. Ouais, parce que moi je me suis dit, ouais, cool, ouais, on va faire un petit live AG aujourd'hui, du coup, allez, pop, petit t-shirt avec les pandas. Mais du coup, j'avais oublié qu'il était vert. Cela dit, on pourrait faire des trucs très drôles avec ce t-shirt. Je retiens, le t-shirt est cool. Oh, c'est trop chelou. Oh, c'est génial. Et salut Sibour, comment vas-tu? Ça va super et toi? Bah ça va très bien, merci Blue Chihuahua. Et salut Mika. Il est là. Et là, il est pas là. Oh, il est là! En fait, il y a moyen de faire un bout de chemin avec vous deux. Ah bah, bien sûr! Non, je veux pas te retirer. Non, je veux t'inviter. Voilà, viens. Bien évidemment, Blue Chihuahua, rejoins-nous à la pierre de... du marais de sang. Marais de la pierre de sang! Avec une heure de... Ouais, non, mais c'était la merde. Ouais, je vous passe pas... Enfin, je vous passe les détails, hein, mais... voilà. Oh, cette galère. Du coup... Bah écoute, on t'attend, on est sur le... Sur la région 1, en français, en FR. Et puis voilà, hein, on va repartir sur les co-ops de Guldoir. Previously on Guldoir. Tiens d'ailleurs, Mika, la petite info. Je crois que c'est Blue Chihuahua qui me l'a donné. Du pourquoi on n'a pas eu le bonus de la Côte des Divinités. C'est qu'apparemment fallait parler au glandu qui était devant nous là à la fin de la coop. Il y avait un glandu avec un point d'exclamation. Et nous on est à tunnel vision. Qui qu'on enlève? On en va enlever toi. Tac. Et voilà Blue Chihuahua qui rejoint. D'ailleurs on va même faire un truc. C'est qu'on va faire. Il n'y avait pas un genre. Parce qu'à la fin, on a oublié de parler à une personne. Ouais, c'est ça! Voilà. Eh bien, écoutez, quand vous êtes prêts, on va y aller. Je me fais tellement... Comment on dit? Je me fais power leveler par des gens, là, niveau 20 et tout, là. Ils sont au taquet. Allez, hop! On est parti! J'avais vidé mon sac. Parfait. Une tête. Découvrez la vérité sur le blanc manteau que nous avons rejoint au dernier live. Trouvez Ryder, l'éclaireur de la lame. Il vous conduira jusqu'à la pierre de sang. Utilisez les ponts de vigne pour traverser la jungle. Par contre, ce bonus sans moi. Hein. On fait les bonus. Je sais pas lequel c'est, mais on fait les bonus. C'est lequel encore ici? J'avoue, j'en ai aucune idée. C'est pas le truc avec comment il s'appelle, là, le démagogue ou je sais pas quoi, là? Non? Non, ça c'est après. Bonus, éveiller les... Ouais, non, on fait pas le bonus, en fait. Non, on fait pas le bonus. Oula. Ah, ça y est. Éveiller les druides tout en protégeant leurs gardiens. Ouais, non, mais c'est... Non, on fait pas les... Non. Éventuellement... Quand on aura fini le jeu, l'histoire...
On reviendra. Mais là, j'ai pas envie. Les druides, ça va, ça passe. Eh ben écoute, vas-y, Blue Shiwa, on te regarde. Le druide, ça va, ça passe, faut pas les tuer. Ouais, c'est ça, faut pas les tuer, ouais. Et salut, Gex Twitch. Non, il faut éveiller les druides, c'est pas compliqué, mais faut gérer. Ouais, c'est un peu chiant, du coup, on va, voilà. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là en mode complet YOLO. Du coup, voilà. Et là, je suis en train de penser à toutes les conneries que je pourrais faire avec ce t-shirt vert. Il y a une tête qui arrive sur le... Ah, mon dieu. J'ai mis mes héros dans un coin, j'ai couru tout seul, perso. Ouais, éventuellement, on peut le faire, allez. Eh, vous savez quoi, de toute façon, on risque rien à le tenter, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, si ça passe pas, ben, Osef, hein, voilà. Par contre, pour la prochaine coop, c'est assassiner le démagogue. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du coup, c'est la prochaine. Il me semblait bien que c'était dans pas longtemps. Mais du coup, voilà. Et du coup, comment vas-tu, Gex Twitch? Utilisez les ponts de vigne pour traverser la jungle. Tu nous l'as déjà dit, ça. Raté. Névite les tirs. Bon, ça va, il me tire plus dessus. Ça fait bizarre de pas avoir mon petit parangon dans le groupe. Mais c'est pas désagréable. Bien, merci. Bah écoute, tant mieux. J'espère que vous avez pas trop chaud, parce que j'ai tellement couru dans tous les sens là depuis ce matin que voilà. Je suis mort. Voilà, heure du décès, 11h. Désolé d'avoir pissé que sa place. Ouais, franchement, t'abuses. T'abuses, mec, hein, franchement. Je sais pas qui c'est qui t'a invité, mais ouah, wow, la vache, ouais. Le mec. Ils annoncent 37 vendredi. Ouais, mais Osef, vendredi, j'irai me baigner. C'est juste que voilà, c'était pas prévu, tu vois, ce matin je me lève, j'ai des trucs à faire, et ça prend du retard, encore plus de retard, du coup on lance le live avec une heure de retard, du coup je speed comme pas possible pour essayer quand même de pas trop être en retard, tu vois, mais en retard quand même, du coup voilà, c'est chiant. J'ai envie de faire une connerie. Ça fait combien de temps que tu Twitch? Alors sur cette chaîne, sur Actu Gaming, ça va bientôt faire un an. Ça fera un an cet été. Mais sinon sur ma chaîne perso, ça fait un petit peu plus longtemps. Ça doit faire quoi? Ça va faire... Je sais pas quoi, depuis combien de temps je live sur Twitch. Ouais, je saurais pas te dire, ma chaîne perso ça remonte à quand même pas mal de temps. Aïe. Mais ouais, sur AG ça doit faire à peu près un an. Ça va faire à peu près un an. Ah mon dieu, une tête coupée qui parle. Salut Tony, comment vas-tu? Depuis tout à l'heure. Mais ouais, j'ai oublié, moi je me suis dit, ouais, petit t-shirt avec les pandas et tout, du coup je le mets. Et puis j'ai oublié fond vert. Fond vert, du coup, du coup, tête. Du coup, tête. C'est, voilà. Yeah, ouais, ramasse mon stuff. Ouais. Alors, du coup, il y a juste. Là. C'est un peu. Là, là. C'est le bord du t-shirt, en fait. Non, mais du coup, je retiens. Je retiens ce t-shirt. La prochaine fois j'y penserai. Parce que là du coup c'était pas prévu.
Mais du coup, je vais faire des conneries avec ce t-shirt, vous le savez. Vous le savez que je vais faire des conneries. Par contre, je sais pas si t'as la map avec toi, Mika, mais je suis paumé pour le bonus. Alors, est-ce que si je te dis quelle map, ça répond à ta question? Oui, j'ai la map. Bon, ça va, Mika a la map, donc on suit Mika. On suit Mika, tout se passera bien. On laissera les PNJ derrière, tout ça, tout ça. Ah, il va pas falloir une graine supplémentaire d'ailleurs ici, non? Ouais. Peut-être, hein. Je sais plus. Peut-être. Peut-être. Excellent, mais ça va, ouais, bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Allez, vous mourrez. Les marcheurs derrière. Bah alors, Blue Chihuahua, on se fait enlever ses enchantements? Es-tu salarié chez AG? Non. Les streamers ne sont pas salariés, on est des bénévoles, tout simplement. Je hais ces bestioles. Mais ils sont tout mignons, c'est des petits nanas qui flattent. Bon, n'empêche que Blue Chihuahua, à cause de toi, je me suis fait interrompre. Hein. T'as pas le faire, ça. Je sais pas qui c'est qu'il a invité ce mec là, mais franchement. Hein. Il nous fait que des conneries. Non, parce que bon, je me rappelle un dernier live, hein, j'avais très bien dit « Ouais, moi je peux pas me faire interrompre, tout ça, parce que j'ai pas de... » J'ai pas de sort à temps d'incantation, tout ça. Puis ça fait quand même deux fois que je me fais interrompre parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi, il se fait interrompre, hein? N'est-ce pas, Mika et Blue Chihuahua? Bon, je troll, hein, bien évidemment. Je troll gentiment. Et je dis pas ça parce qu'il y a des trolls. Hein. Bon, j'avoue, je me souviens plus du tout où est-ce qu'on utilise les graines. Donc voilà, hein, amusez-vous bien. Pourquoi rejoindre AG plutôt que de streamer en indépendant plus de viewers? Bah de toute façon, oui, plus de viewers, c'est sûr qu'il y en a, puisque bah, on est... Faut que quelqu'un prenne une graine. Moi, mais je servirai à rien, si vous voulez. Ouais, j'aime bien servir à rien. Ça me rappelle plein de choses. Du coup, en fait, vu que c'est une structure, AG est une structure... Avec plusieurs streamers, c'est sûr qu'il y a forcément plus de viewers. Mais après, personnellement, c'est pas la raison qui m'a fait rejoindre AG. C'est qu'en fait, je streamais de mon côté, j'avais pas aussi un nombre de viewers assez intéressant pour mon petit niveau, on va dire. Mais je cherchais à rejoindre une équipe, en fait. J'en avais marre de streamer en solo. Et je voulais tester, je voulais m'essayer au travail d'équipe, entre guillemets, on va dire ça comme ça. C'est que voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait de live pour une structure, de voir un autre côté du streaming en fait. Tout simplement. On est passé au-dessus du bonus. Après, oui, je crois. Bon, alors là. «
Ah, moi je vous suis les mecs, je suis juste le porteur de graines, je sers à rien. Du coup voilà, le pourquoi du comment, tout simplement. Alors ça fait très, très bizarre dit comme ça, le porteur de graines, mais... Je porte les bouteilles d'eau en fait. Et puis voilà, après... Tu te fais pas un build entier. Bah j'ai pas encore les compétences qui m'intéressent en fait. Du coup, en fait, là à la place j'avais le charme animal. Jusqu'à que Mika, donc notre élémentaliste, me dise « Eh mais en fait maintenant t'as plus besoin d'avoir le charme animal dans ta barre de compétences pour avoir l'animal quand même avec toi. » Et du coup, bah, j'ai pas encore changé. J'ai pas encore... Ouais, j'ai pas de truc qui m'intéressait pour l'instant. Du coup, j'ai laissé vide. Mais donc, la question qui gêne, comment gagnes-tu ta vie? Bah, pour l'instant, je gagne pas vraiment. Attention aux druides. Ouais, je vais laisser les PNJ de côté, là. Je vais laisser les PNJ, ils inquiètent pas. En gros, tout simplement, ça me dérange pas d'en parler, c'est que personnellement, je suis au chômage. J'arrive pas à trouver du boulot. Et je suis dans la merde, voilà, je le dis. Très clairement, je le dis. Et en gros... Tant que j'arrive pas à trouver du boulot, bah, je stream très régulièrement parce que, bah voilà... Généralement, j'allais dire presque tous les soirs, mais bon, ce serait mentir, mais bon, voilà. Et après, bah, tout simplement, quand je réussirai à enfin trouver un taf, bah ce sera cool, j'ai envie de dire. Je pourrais live le soir et bosser la journée, et du coup, ce sera bien. Voilà, bonus, éveiller les druides tout en protégeant leurs gardiens. Ouais, t'inquiète, je laisse les PNJ. Mais du coup, faut pas protéger Jean-Michel, là? Aïe. Aïe. Eh, y'en a pas un qui veut tanker à ma place? Tu fais ça très bien. Ouais, non, mais vous avez plus de vie. Et vous êtes level 20, vous. Mais du coup, faut pas protéger le gardien, les gars, là, derrière? Le druide, là, derrière, non? Je surveille quand même, hein, s'il se fait pas attaquer. Non, ça va. Oula. Faut juste pas les tuer, d'accord, ouais. Non, il est bien, lui, je sais plus. D'accord. Non, mais en fait, je vais vous regarder faire. Non, parce que je rappelle, hein. Pop avec des graines, 3 druides. Ah oui! Ah si, ça me revient! Ça me revient! Vaguement, mais j'ai quelques vieux souvenirs. Et du coup, pour répondre plus. Un peu plus à ta question, Aralis. Très clairement, à notre niveau en tant que. Que ce soit sur les chaînes perso ou en tant que streamer âgé. Très clairement, on ne vit pas, on ne peut pas vivre de bah, des dons ou des... comment ça s'appelle? Enfin oui, des dons ou des viewers, très clairement, pour l'instant, c'est pas possible. On n'est pas assez connu, on n'est pas... voilà. Bien que... Avec le passage en partenaire de la chaîne ActuGaming, ça peut éventuellement dégager quelques revenus, mais qui seront pour la structure, bien évidemment. Avec une partie qui reviendra au streamer, mais
aïeux, mais c'est pas ça qui nous permettra de vivre, très 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 clairement. Voilà, on n'est pas à la hauteur de certains Zerator et autres streamers du même calibre, j'ai envie de dire. Et du coup oui, donc ce que je disais, c'est pourquoi je les laisse faire là les deux zigotos là, pourquoi je les laisse faire? Parce que je suis encore sur le pexing du titre survivant. Donc je les laisse bosser. Moi je suis caméraman. Ouais. Il y en a un dernier qui arrive. Plus qu'à attendre qu'il arrive le dernier. Ouais, c'est bon. Il est en chemin. Allez, l'ancien druide. Et le petit bonus. Voilà. Et c'est le GG à eux. Moi j'ai rien foutu. J'ai filmé. Oula. Bon, du coup, tac, tac. Ouais, je suis en train de gérer un truc à côté, donc désolé. Est-ce que j'ai un vieux lag ou comment ça se passe? Bah alors on est bloqué. What the f... J'ai un vieux lag ou... Tu es bloqué, Link. Ah bah moi je me vois pas bloqué. Ah si, ça y est. Ouais bon, voilà, j'avais un vieux lag. Alors Mika, on est bloqué. Franchement, t'abuses. Robin Calaco. Ah mais j'avoue, il était beau là. Moi j'étais bien là, j'étais parti et tout. La machine de Copel Click qui crache ses poumons. Ah mais tellement. Alors après, ça vient aussi du jeu, ça arrive de temps en temps qu'il fasse ça. C'est pas forcément mon PC. Là voilà. J'ai beau dire que voilà, mon PC c'est de la merde, on le dit très clairement. C'est un bon vieux grippin, mais là c'est pas sa faute. Là c'est pas sa faute, c'est pas lui. Mais oui mon petit, c'est pas ta faute. Ne les écoute pas. Je vais juste prendre le bâton gravé, ça me fera du bois, ça. Je rappelle que pour mon armure, il me faudra du bois. Oui, une armure en bois, oui. Je vois pas où est le problème. Je suis un rôdeur, je communie avec la nature, donc j'ai une armure en bois. J'ai Link qui parle à son PC, ça sent le sapin. Bah justement, le sapin, le bois. Eh oui, normal. Non mais il a du mérite, ah bah tellement. Déjà il te laisse jouer à HOTS, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Pour combien de temps, je sais pas, mais il me laisse jouer à HOTS. Non, mais en vrai, je sais. Il me laisse jouer à HOTS, clairement, mais pour l'instant, il arrive encore à encoder mes vidéos. Il arrive encore à upload mes replays de live. Bon, certes, ça prend du temps, mais il y arrive. Non, clairement, pour l'instant, ouais. Il tient. Je touche du bois, encore, hein. Toujours une histoire de bois, de toute façon. Mais voilà, dans l'idée, qu'il tient le plus longtemps possible, en fait. Tant que j'ai pas trouvé de taf. Parce que tant que j'ai pas de taf, je pourrais pas le changer. Donc voilà, dans l'idée. Le bois, toujours le bois. Le sel, toujours le sel. Ah bah oui, c'est sûr que tu t'y connais en sel, Mika. On n'ira pas pourquoi, hein, mais bon, voilà. L'encodage, le pauvre. Eh oui, non, mais... voilà. Je veux dire, les vrais savent. Écoutez, je suis censé vous accompagner jusqu'à la pierre de sang, mais le manteau a exterminé mon groupe, je n'y retournerai pas. Allez-y, mais si vous voulez, mais sachez que la pierre perturbe l'énergie divine, ceux qui sont tués sont plus longs à ressusciter. Très bien. Pas qu'un peu, j'ai rempli un cargo pour 2 ans facile. Ah oui, mais c'est pour ça, depuis le temps, on t'appelle Guérande, hein, désolé, mais bon. Hey, j'ai. Du coup, voyageant jusqu'à la pierre de sang. On lui décernera une médaille à ton PC, un joli magnète à la Légion de la Légion de... Mais grave! Ah non, mais je vais lui offrir des funérailles dignes de ce nom à mon PC. Le jour où on va le changer, voilà. Planquez-vous, ça va être la fête. Hein. De toute façon, c'est prévu, hein, j'ai envie de dire que le jour où le PC est changé, il y a live 24h. Hein. Voilà. Je vous le dis. Ah ah ah, Blushyway s'est encore fait interrupt. Funérailles viking, c'est ça. Je vais aller pas loin de chez moi, là, il y a un petit ruisseau, je vais lui faire le... Une petite barque, je vais... Mais voilà, très clairement, le jour où je change de PC, live 24h. Ou plus. La jubilation quand t'as un nouveau PC. Mais tellement. Le truc, c'est que je sais même pas comment il tient encore, ce truc. Live 72h. Ouais, non, 72 quand même, on va pas pousser. Hein. Après, voilà, je sais que il y a quelques temps, j'aurais pu le faire, vous voyez. Quelques petits souvenirs de live. Tout ça, toi-même, tu sais. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait des très longs lives. Aussi parce que le PC, il tient plus. Enfin, plus trop. Mais voilà. Encore une... Non, je veux... Bah si, je voulais servir à rien. Bon, bah autour de Blushiwa de ne servir plus à rien. Quoique, je sais pas, il a peut-être une ou deux attaques de zone qui peut lancer sans sa faux. Donc c'est pas un vrai, il sert à rien. Vous voyez, il est quand même un petit peu utile. Un petit peu. Ça changera pas de d'habitude. Eh bah ouais, t'es quand même plus utile que moi. Je trouve déjà très bien que le PC te laisse streamer. Wow, ou n'importe quel autre jeu d'ailleurs. Ah mais clairement. Après voilà, j'ai envie de dire... Les jeux que je fais en live sont choisis par la résistance du PC aussi quoi. C'est clair que voilà, pour l'instant des Overwatch et compagnie, bah, je peux plus en faire, ça c'est clair net, parce que... En fait, pour vous expliquer, Overwatch, l'an dernier, je pouvais y jouer encore. Jusqu'au moment où le jeu a décidé de... Enfin, mon PC, plutôt, a décidé que... comment dire?
En fait, je peux jouer une partie normale, avec quelques lags quand même, mais les parties suivantes, en fait, je vois plus rien. Je vois pas mes armes, je vois pas le HUD, je vois pas les ennemis non plus. D'ailleurs, petite gloriole personnelle, jouant Anna, voilà, en jouant Anna, j'ai eu un play of the game, mais en ne voyant rien. C'est-à-dire que pendant la partie, j'y voyais que dalle, mais j'ai eu mon petit play of the game. Voilà, je vous le dis, c'est voilà, c'est cadeau. Je vous livre mes impressions à froid. Carte graphique à la ramasse. Ben non, c'est PC entier qui est à la ramasse en fait. C'est le PC entier. Le truc, il a 7 ans maintenant. 7, bref. Je l'ai pris, je l'ai changé un peu à peu près au moment où j'ai pris mon premier appart. Du coup, ça doit faire, ouais, 7-8 ans, bientôt 8 ans, je dirais peut-être. Play of the game, Daredevil Edition. C'est complètement ça. La config, vieille. Très vieille. C'est un des premiers i5. Donc déjà, voilà, hein. Après voilà, comme je dis, je peux pas faire les gros jeux qui sortent avec beaucoup d'effets spéciaux, machin et tout. Non, ça je peux pas. C'est mort. Beaucoup d'effets de lumière et compagnie, c'est mort. De toute façon, il y a qu'à voir, hein. Regardez quand j'ai voulu faire Darksiders 2. Je l'avais commencé sur PC. J'étais obligé de le récupérer la version console parce que, bah, parce que ça passait plus. J'ai fait un live dessus. Tu peux faire tourner The Witcher 3 ? Alors je peux faire tourner peut-être Minecraft version modée The Witcher, je sais pas. Et voilà. Je suis le faucheur, j'apporte le salut. Le vrai visage du blanc manteau. Et je moissonnerai les âmes des infidèles. Car leur odeur fétide persistera. Tant que les faux dieux régneront sur ce monde. Tiens, tiens, de vieilles connaissances. Nous qui pensions que la lame brillante vous avait tué. Vous allez mourir, Ablion. Ces innombrables massacres d'innocents prendront fin avec votre vie. Je crains que vous ne vous trompiez. C'est vous qui allez périr. Tais-toi d'abord. Préparez-vous à payer pour vos crimes, Ablion. Ouais, et en plus de nous avoir buggé une coop. Venger les élus en tuant le justicier Ablion et ses gardes rapprochés. Mine de rien, Minecraft est pas si facile à faire tourner. En même temps, Minecraft est codé avec les pieds, donc forcément c'est pas facile. J'avoue que c'est pas forcément le bon exemple. Désolé d'avoir passé la cinématique l'habitude. Non, de toute façon, pour qu'elle passe, il faut que que tout le monde du groupe ait cliqué dessus. Donc t'inquiète. Voilà, Minecraft est codé avec le cul, donc désolé, mais bon. Oh, la voix de Sangoku est Soda 76. Ouais. Mais dans Minecraft, dans Guild Wars, mine de rien, il y a beaucoup de voix très connues. Vous savez que je l'ai Guild Wars, tiens, je l'avais eu 2€ avec toutes les extensions. La naze. Ouais, non, mais souvent, il y a des réductions sur Guild Wars. Et voilà! Et bim! Allez, meurs! Puisse votre âme errer. J'ai mes cheveux, ils sont pas collés à ma tête! Épaisses, et qu'elle ne trouve jamais le repos. Ah! «
Ils arrivent maintenant? Non, je crois pas qu'ils arrivent maintenant. Je sais plus. Les hommes du blanc manteau doivent reprendre les armes. Et cette voix aussi, elle est connue. Il y a des traîtres parmi nous. Ils prétendent être nos amis, mais ils nous poignarderont dès que nous aurons le dos tourné. Je viens juste d'apprendre que ces traîtres ont assassiné le justicier Ablion. Ils paieront pour cela. Oui, Dak, Mika. Mon fils. Lorsque ces païens ont attaqué le Blanc Manteau, ils ont, de ce fait, signé leur arrêt de mort, et c'est à nous de les punir. Tuons-les tous! Oui, mon fils, c'est à nous de faire justice et de nous venger. N'empêche que le mec, fouiller il a toujours la tête du... coin. Ça doit pas être pas facile de parler tout le temps. Qui ont assassiné Ablion. Il doit pas être facile. Les tous. Le mec parle toujours avec la bouche. J'ai lu à ce prix en boîte quoi, c'est chouette. Ah ouais, non mais clairement. Très clairement, à 2€ avec toutes les extensions, très clairement, voilà. C'est... Surtout en boîte, ça fait plaisir. Le mec est tout le temps vert. Bon allez, je vais y aller, j'ai des choses à faire. Bonne journée tout le monde, bonne live Link. Merci Tony, merci à toi d'être venu. Bon taf et à la prochaine. Et du coup ils arrivent aux provinces Fuyal, d'accord. Bon cela dit, il y a déjà eu le temple derrière Jafar là. Hein. Voilà. Nous avons été trahis par un des nôtres. Bon, alors. Qui sait dans ce que ça peut qui sait. Ah, l'avant-garde du démagogue. Je prendrais bien un petit interrupt. Tac. Ainsi que... Déjà, il me faudra bien un saut de capture, minimum. Attendez. Bon. J'ai que l'esquive pour l'instant en sprint. Ouais, je prends l'esquive. Coffre. C'était 70, j'ai combien sur moi? J'ai 46. Ah bah attends, non, pas coffre, je vais vendre les conneries que j'ai là. Marchand. Déjà on va... Il était un coffre. Faut identifier. J'ai vu qu'il y avait des runes. Illusion plus 2, Osef. Un de plus, bon... On va recycler tout ce qui peut me filer du bois. Le bâton. Tac, le reste, on va poser. Tac. Il va me falloir tellement masse bois. La clé, on va la garder, on sait jamais si on croise un coffre. Voilà. Du coup, le sprint. Enfin, la esquive. Tac.
vais quand même le prendre, le tir de diversion. Tac, allez, petit tour des compétences rapides. Tac, on va se mettre ça, qu'on va mettre plutôt par là. Tac. Tac, tac. Esquive. Saut de capture, pas pour l'instant. Non, bah si, le bien-être animal, pour l'instant, je peux le garder. Voilà. Bon, bah go. Tout le monde, il a pris sa quête, tout le monde, il est bon. On est parti. Tac, tac, tac. Du coup, map. Non, voilà. À gauche toute. Wouhou! Je sprint! Je sais sprinter! Aïe, je sais! Je sais comment on fait! Je sais mettre mon pied de l'un devant l'autre et le plus vite! Ah, c'est que sur les sujets. L'action est interrompue. Ah, pourtant elle est pas passée. Attention les pièges, Mika. Ah oui, mais c'est pas une flash instant. Ah, va falloir que je change. Va falloir que je prenne le tir de diversion. C'est que je suis pas habitué et ça fait très longtemps que j'ai pas joué Rodeur. Extrêmement longtemps. Genre, bah. Depuis que j'ai supprimé Rodeur, je sais plus pourquoi. Et puis voilà. Puis à la rigueur, le Rodeur que j'avais, comme je dis, je jouais toujours en. Le Air Touch, comme on l'appelait avant. Oui, non, c'est par là. Franchement, les mecs, faut pas aller à droite. Et du coup, j'ai quasiment jamais joué en interrupt en fait. T'es sûr que c'est par là? Non, parce que c'est pas par là en fait. J'aime faire des grands détours. Ouais, non, mais c'est pas par là, les gars. Ah ouais, non, mais quand tu fais des grands détours qui te font faire tout le tour de la map avant de pouvoir arriver à là où tu veux aller. Moi, je vous l'avais dit que c'était à droite. Et merci pour le follow Nuki39. Merci à toi et bienvenue sur Actu Gaming. J'espère que tu te plairas ici. Ouais, non, très clairement, faut que je me mette le tir d'interruption. Ça va, j'ai pas dormi encore. Ah oui, bah oui, du coup, ça explique. Ceci explique cela. J'espère que tu vas être chaud, hein, parce que cet après-midi, live Guildor 2 sur la chaîne perso. Hein. Bah, bravo, dit le mec qui vit la nuit et dort le jour. Comment de voisins qui gueulent et qui tapent. Tu m'étonnes.
À quelle heure? Bon, je pense aux alentours de deux heures. De toute façon, là, le live AG, vu que bah, j'ai démarré avec une heure de retard et vu qu'il n'y a personne normalement derrière. D'ailleurs, je vais aller vérifier parce que je dis ça depuis tout à l'heure, mais j'ai pas vérifié. Normalement, il n'y a personne derrière moi. On va faire une petite heure de plus. Enfin, de plus. Ce qui est prévu à la base. Tac. Pour rattraper cette petite heure de retard. Et aux alentours, ouais, je pense de 14h, je pense que j'irai... On ira sur Guild Wars 2. Alors, attendez, tac. Ouais, non, c'est ça, il y a bien personne juste après moi. Donc c'est bien ça, on continuera jusqu'à 13h. Vers 16h30, je devrais quitter 16h, 16h15. Ok, pas de soucis. J'en ai marre de aggro toute la map. Saleté de piège. J'ai mes courses à aller faire en fait. Bah pas de soucis, pas de soucis. Frigo vide. Ouais, je connais. Je ne connais que trop bien. Tu veux rendre useless un cac, mais un piège à poussière. J'avoue. C'était tellement trop bien le air trap. Ah, j'ai envie de refaire du air trap, franchement. C'était trop drôle le air trap. Bon, c'est nerfé et compagnie, mais ça sert plus à rien, mais c'était trop drôle. Tu mettais des heures à clean les maps, mais franchement, c'était trop bien. Ah, perso, je gagne. Je garde un énorme souvenir d'un Underworld. Donc, l'Underworld qui est une des maps, on va dire endgame, presque endgame du jeu. Et on avait tout clean à deux. Un rôdeur piège. Donc, ce qu'on appelle donc le air trap. Mais c'était tellement drôle. En gros, on posait masse piège, c'était piège de feu, piège aveuglant, piège de saignement, piège de tout. Hein. Et ouais, on a dû mettre quoi, 3-4 heures à vider toute la map. Mais c'était tellement fun, c'était tellement taper des barres. C'est le genre de truc que voilà, hors build particulier, hors build bien précis, etc. C'est le genre de zone que tu fais à 8. Ben nous on l'avait fait à 2. Ouais, trop bien. Un pavois de la tour. En fait j'ai oublié mais j'ai le lutin. Dans la bataille. Ouais. C'est là où on reconnaît le corps à corps. Et il va aller sur moi. Ah non, ça va. Ah bah si, voilà. Il vient sur moi. Pourquoi toujours moi? Parce que je suis le plus bas niveau. Mais c'est pas une raison. Ils vont tomber avec les bébêtes, ça suffira largement. Alors Michel, hop là, suite de la quête.
Du coup, moi je vais changer mon tir. Ah, le bon Ventari. Mais le blanc manteau, il va nous tuer tous. Mais vous n'avez aucun cœur. Mais vous êtes machin. Au revoir. Gros dialogue. Tir de diversion. Tac, voilà. Ce sera beaucoup mieux. Allez, on est reparti. Ouais, allez, on est reparti. Je viens dans mon sac plus tard. C'est quoi, faut les protéger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, faut les protéger. Ah, voilà, ça c'est de l'interrupt. Ça, ça me va. Ça, c'est beaucoup mieux. Tac, et de l'autre côté. Elle est plus aussi rapide qu'avant, là, le tir de diversion. Il est plus aussi rapide qu'avant. Voilà, ça y est, on vous a protégé. Allez, on rentre. S'occupe comme on peut. Mika, il fait du courriage sur la map. Ah bah oui, bah écoute. 4 principales. Ouais, 4 principales. Ouais, faut partir loin. Bon bah... À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois. Encore du bois, d'ailleurs. Faut traverser toute la zone pour aller à la clairière. Ouais, c'est ça. La clairière de l'aurore. Il collectionne quoi, lui? Un gilet de crétin. Qui est meilleur que ce que j'ai. Ouais, parce que je rappelle, on fait le titre survivant. Mais sans armure. Parce que là, pour le coup, hein, on a une armure à 40... Oh putain, j'ai failli crever. On a une armure à 40. C'est-à-dire que c'est l'armure de... Ah oui, lutin, c'est vrai. On a une armure à 40 qui est donc l'armure de... d'arriver à Ascalon. Voilà. Post-fournaise, c'est la première armure que j'ai pu me faire. Du coup, voilà. Le but du jeu, ça va être d'arriver niveau 20 sans changer d'armure. Et sans mourir, bien évidemment. Bonne chance dans le désert de cristal. Moi, ouais, ça va être easy. En fait, dans le désert de cristal, il y a une coop qui me fait peur. Et c'est pour ça que j'espère que je serai niveau 20 avant d'y arriver à cette coop. Mais grave, j'ai tellement hâte d'arriver au désert. Tellement hâte d'y arriver. Parmi mes zones préférées, je sais que je le dis à chaque fois, mais voilà. Avec une de mes musiques préférées. Sur laquelle on montera le son, bien évidemment. Je vois la coop. Mais voilà, c'est une coop où je sais que je vais crever. Donc... Faut que j'arrive niveau 20 avant. Ah, j'ai piffé la diversion, mais elle est pas passée. Raté. Raté.
C'est à l'Oasis, cette musique. Ah, mais cette musique. Qu'on entend quand on arrive à l'académie de Nolani. Enfin, quand on finit la... C'est Nolani ou Surmia, je sais plus. C'est Nolani, quand on finit Nolani. La musique où j'avais mis le son à fond. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être d'arriver level 20 avant d'arriver à cette coop qui me fait peur. Parce que je sais que je vais y crever. Et GG mon petit lézard qui vient de passer level 12, voilà. On le dit pas assez, mais faut féliciter le lézard. Je deviens déjà complètement taré à cause des mouches, c'est grave docteur. What? Les mouches qui se posent sur toi et qui volent devant ton écran. Ah oui. Non, moi perso c'est plus les moustiques, tu vois, c'est... Voilà. Moi perso les moustiques, non, j'aime pas. Du coup, obligé de fermer les volets et tirer la vie du soir. Apparemment, Marie, tu aimes les tartes, hein, je vous le dis. Hein. Elle vient de me faire cette confidence, apparemment, elle aime les tartes. Oui, je vous le dis. Hein. Même j'ai une tête volante. Salut, Ludwig, pardon, j'espère que tu vas bien. Ouais, j'avais oublié que fond vert, tout ça, du coup, ben voilà. Oui, les tartes. Ouais. Il y a une des lignes de dialogue de Maritu, c'est « Vous aimez les tartes ?» Moi, ouais. Voilà. C'est aussi elle qui crie de temps en temps « Cuillère !» C'est elle. C'est, voilà. C'est la Maritu. Elle est spéciale, mais elle est gentille. Hein. Non, je vais aller là-bas, il y a un coffre. Il y a un coffre, je veux y aller. Je suis attiré par le gain. Je veux aller là. Eh, en vrai, je peux ne pas aggro. Ouais, bon. Je pouvais ne pas aggro, mais bon, voilà, c'est moi. Ah merde, je le vois pas. Voilà. Ah, Mika, il veut aller à la coop. Mika, il veut pas perdre de temps. Mais il y avait un coffre. Il a pas du gain, tout ça. Non, bon, après, si ça vous... Pas de quoi se presser pour cette coop, grave. Et surtout que des magogues, hein. Les gars, je vous le dis. Hein. Préparez-vous mentalement, parce que des magogues. Hop, en fait, non, je vais pas parler à Jean-Michel. J'espère que t'as pris du run. Nahaha. Mais je rappelle, moi je suis là en touriste, hein, les gars, c'est à vous. Je te conseille, petit conseil, vous essayez de prendre un arc recouvert, tu l'as pour à moins tes flèches. Mais j'en ai pas pour l'instant. Donc voilà. J'avoue, je préfère quand même les arcs longs. Quitte à rater quelques flèches, je préfère les arcs longs. Alors, je sais qu'on en raterait moins avec un arc courbé, hein, puisque la distance est moins élevée. Mais du coup, je préfère. De la fuite, pas du run, surtout pour Link. Ah oui, bah. Voilà. Moi, j'ai ma compétence. Je suis bien.
Parce que après, bon, mon but à moi, c'est pas d'être utile. Non, ça, je le laisse à Mika et Blue Chihuahua. Eux, ouais, ouais, eux, y'a pas de problème. S'ils veulent être utiles, go, faites-vous plaisir. Moi, là, dans le groupe, je suis. Comment dire? Je suis la mascotte, en fait. Je suis le seul qui est pas level 20. Je suis le seul qui a pas eu de bonne armure. Et je suis le seul qui doit pas mourir. Je suis la mascotte. T'es le caméraman. C'est ça. En fait, je vais jouer comme ça. Je vais jouer en first person. Et je vais juste vous filmer. Allez. Hop là. On va faire des travelling et tout, ça va être stylé, vous allez voir. Bon, sans les lags, c'est mieux. tac. Bienvenue dans ce nouveau documentaire consacré aujourd'hui à la découverte de la forêt de Maguma. En plus, la jungle... Non, c'est pas une forêt d'ailleurs, c'est une jungle, d'abord, hein, s'il te plaît. Le chieur. Et en plus, j'aime pas Maguma. J'aime pas du tout. Bienvenue. Merci. Toi, Osef, il est... non, c'est pas... Oui, toi, coffre. Il y a des arbres, forêt, jungle, Osef. Ouais, mais j'aime bien faire mon chieur. Alors, une de quoi? Réduit les dégâts physiques de 1, ça c'est guerrier. Et tout le reste, ça dégage. Je vais quand même recycler pour le bois. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Bah, vente. Hein. Vente, vente, vente. Ah, oh, ça pourrait être une bonne idée, ça. Non, je prépare une connerie, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Du coup, coffre, on va aller stocker les ressources. Je sais plus s'il faut des fibres végétales pour la tenue de druide. J'ai un doute. Je me souviens plus. C'est pas grave. Bon, et bah du coup, let's go pour la clairière de l'horreur. Non, parce que voilà, je sens que ça vous perturbe le fait que j'ai une tête volante. Je le sens. Vous voyez, je le vois bien. Il est où? Ah, il est là. Bois et peau. Ah oui, bois et peau, j'avais regardé la dernière fois. Bon bref, accédez au Chrome Lake de Denravi. Allez jusqu'au portail du Chrome Lake et j'ai pas vu le dernier. Et synchronisez le portail. 75k. Ouais, ça je les ai presque. Je crois que je suis à 60k. Ça ira. Tu veux l'élite? Ah bah oui! Ah bah oui! Je refuse d'être moche! Voilà, je vous le dis. Ah putain, je l'ai plus. Bon, je vais pas pouvoir faire ma connerie. Je vais pas pouvoir faire ma connerie, tant pis. Tant pis, il peut pas. La tristitude, là, j'ai envie de dire. Tête volante. Ah bah oui, tête volante. Regarde notre cam. Ah non, mais tête volante quand même! Ça voilà, mais je peux pas faire ma connerie, du coup je suis triste.
Oh, la flèche qui passe. Ouais, genre là, elle passe plus. Bon, c'était juste abusé que la première passe, mais... Non, je vais pas pouvoir faire ma connerie. Tant pis. Pour recevoir des dons, il faut rien faire de spécial. C'est-à-dire. Qu'est-ce que t'entends par il faut rien faire de spécial? Si t'es au minimum affilié Twitch, tu peux recevoir donc des bits via le chat directement. Sinon, faut passer par des sites autres. Comme y a Twitch Alert, mais il y en a bien d'autres. Il veut parler des bits, je pense. Après, oui, après si c'est les bits, oui, c'est directement sur le chat, en fait, là où t'as envoyé un message, tout au bout, t'as le truc pour mettre les émotes. Et juste à côté, t'as un genre de petit triangle slash pyramide. Ça, c'est pour les bits. Et sinon, si c'est des dons, classiques, entre guillemets. Enfin, du moins, je précise, pour les bits, il faut au minimum être affilié ou alors partenaire. Sinon, pour... Non, oh, tant pis. Vous voulez pas faire un boss? Moi je veux bien les 2% de vie, hein. Et si tu parles des dons plus classiques, donc généralement par PayPal, il faut passer par des sites comme il y a Twitch Alert, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le bonus de 2%? Bah ouais, bonus de 2%! Les mecs, j'ai 390 PV, moi. Bim, 397, voilà. Par contre, pour le bonus... faudra pour le bonus aller secourir quelqu'un. Ah oui! Je me souviens! Voilà, 565 et 685, voilà! J'ai genre la moitié de vos PV, les gars! Et une armure en mousse, en plus! Ah, saleté d'arbre. Bon. C'est à partir de maintenant qu'on s'amuse. Allez, jusqu'au portail du Crab Lake. C'est beau quand c'est le rôdeur qui travaille. Eh, j'avoue, t'es pas habitué, hein. Mais là, j'en profite, y a pas d'attaque à faire, donc c'est bon. Je peux porter quelque chose, y a pas de problème. Avec mes petits bras musclés, ça passe. Puis tu m'étonnes en même temps, une espèce de cristal qui fait la taille de ma tête, tu m'étonnes que je l'embarque. Attends mec. Truc pareil, je le laisse pas sur place, hein. La chiquine. Oh, GG! Le petit gold au calme.
N'empêche que je note encore que c'est pas moi qui l'ai pas qui ai eu des golds. Hein. Un coffre. Oh, un coffre. Heureusement, j'ai une clé. Ouah, trop bien. C'est pour ceux qui travaillent les golds. Et cela dit, n'empêche que ça pourrait être le cas, hein, parce que je rappelle que pour l'instant, Mika en a eu un, bah du coup, Blue Chihuahua 1, moi 0. Hein. Moi, keep weak. Hein. Keep weak de chez que dalle. Mais, j'ai eu deux teintures roses. Voilà. Donc l'un dans l'autre, je me suis bien fait niquer. Mais genre bien comme il faut, hein, parce que voilà. Nice! Level 15, plus que 5 niveaux. Plus que 5 niveaux et... Et on aura le titre de survivant si on meurt pas d'ici là. J'ai piffé le tir de diversion, il est pas passé. Bah parce que de temps en temps je m'amuse, je le piffe, tu vois. Tu dis, ah là il va peut-être lancer une camp. Allez hop, je lance et puis des fois, bah souvent d'ailleurs avec moi ça rate. Quoi, des fois, bah le piffage ne se rapporte pas forcément au plumage, hein. Voilà. Faut le savoir. J'en prends un. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? J'en prends un tir de diversion. Ah, d'accord. Ah oui, il faut aller sauver le mec. C'est vrai. Allez, ça y est. J'ai plus de jus. Michel, meurs pas. Moi qui vais crever avec ces conneries. Non, c'était une blague. Je veux pas. Ah ah. Ah bon bah. My god, ta vie. J'ai pas du tout eu peur. C'était évidemment calculé. Vous le savez probablement déjà, mais le Blanc Manteau est dirigé par un être malfaisant. C'est leur champion, ils l'appellent le Démagogue. Ils galvanisent les adeptes du Manteau, ils sont prêts à obéir au moindre de ses ordres. Tant qu'il n'aura pas été vaincu, le Manteau conservera toute sa force. Mais on va assassiner le Démagogue. Ah, mais j'ai l'impression qu'elle se lance plus aussi vite qu'avant le. Enfin, il se lance plus aussi vite qu'avant le tir de diversion. Du moins de ce que je vois, enfin de ce que j'ai l'impression de voir en tout cas. Bon, allez, bossez un peu là, les gars. Portez des cristaux pendant que j'attaque. Synchroniser les deux piédestaux épineux pour dégager la porte de vigne.
Et salut Roro, comment vas-tu? Bon, c'est maintenant qu'on rigole, c'est ça. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre toutes les zones sauf une. Et ensuite, on se fait le démagogue. Ça va, Rayman? Ben, ça va bien, et toi? Ouais, les gens ils sont au taquet. Mais ouais, du coup je me suis dit petit t-shirt panda, tu vois, voilà, j'ai petit panda. Mais j'ai oublié fond vert, tout ça, du coup, bah voilà. Go faire le ménage, ouais. On va nettoyer un peu tout ça là. Piti. Eh, n'empêche que je monte à 448 PV, hein. Prenez garde à vous. Bon, c'est là qu'on rigole. On rase la base, et on meurt pas. Si possible. Allez, crève! Au pire, tant qu'on en garde une, ça va. Allez, lui il est dead. Oh bah ça va, il a fait le café, Bushiwa là! Et lui il passe pas. Putain, le ménage, mon gars! On l'a laissé 2 secondes. Ouh, nice! Merci. Le mec, on l'a laissé 2 secondes et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Genre, je pars, ils sont 15, je reviens, il est tout seul. Da fuck. Bon, bah voilà. Genre, ouais, ça va être chaud, les mecs, tout ça, on va pas y arriver. Tu parles. Oh, mais les mecs, quoi. Pourquoi j'ai encore un cristal? C'est mon cristal, je le lâche plus. Il est à moi. C'est mon mien. Allez, le boss de la coop. On se le fait vite fait, bien fait. Et on passe à la suivante. N'est-ce pas. Ah non, j'ai pas d'identification sur moi. Chiant. Moi, tu m'envoies en première ligne, tant que j'ai d'huile, je te fais le café et je choisis même la capsule. Et tu choisis même la capsule. Mais ouais. Non, mais le truc, c'est que je me suis barré en mode, eh hey, vite vite, y en a un qui passe. Et puis je reviens, y a plus personne, quoi. Ça fait bizarre. En fait, j'ai même pas fait gaffe si y avait encore ma moine sur toi ou pas. Hein. J'ai même pas fait gaffe. On piffe la diversion. Maintenant. Ah ah, le piffage qui est passé.
Le pifage qui se rapporte au plumage. Il est là, il est beau. Et parce qu'il faut compter le temps de trajet de la flèche. Eh oui. Ça, c'est le talent, ça. Il est beau là-bas. Non, il est beau le pifage. Pas pareil. Bon, allez. Oh, il y a une odeur de barbecue là. J'ai faim. Il y a une espèce d'odeur de barbecue là qui me revient. Aïe. Allez, zone du boss. Oh, il y a un coffre en plus. Petit peu de chance, on aura du violet, hein, n'est-ce pas? Il me semble qu'on peut pas avoir de gold avant qu'on ait le level 20 sur les coffres. Et voilà, il y a une teinte sur elle et pour Bibi. Je les collectionne, les roses et les oranges, elles sont pour moi. Hein. Franchement, les gars, je récupère. Je veux du rouge. C'est possible d'avoir du rouge? Non, parce que depuis le début, hein, orange, rose, c'est tout. Si, j'ai eu du violet aussi. Bon, Sidra et les potes, là, vous arrivez? Maintenant qu'on a fait le boulot à votre place. Beau travail. Merci. Nous avons maintenant un endroit sûr pour préparer nos attaques contre le Blanc Manteau. La fortune a montré un autre visage. Le temple druide se trouve de l'autre côté des chutes d'eau. Notre nouvelle patrie nous attend. Et voilà. On arrive derrière. C'est un nouveau chapitre pour la Tyrie. Une page a été tournée, mais c'est la véritable guerre qui commence. Tout comme je l'avais prédit. C'est quoi cette voix? C'est qui cette voix? Ah oui! Oh putain, oui, je me souvenais pas de sa voix. Oh. J'étais en train de chercher. Bon, ça fait une voix d'une vieille, what the fuck? À quel moment on voit une oracle? Non mais ça, oui, non, bah oui, oui, normal. Bref, nous voilà au Cromlech de Denravi, la capitale de la jungle. Je peux vous aider? Quête principale, bah c'est parfait. Avant de repartir, bien évidemment, le petit vidage de sac. Le petit vidage de sac d'abord. Coffre. Vous êtes où les coffres? Oh, vous êtes loin les coffres, sérieux? Attendez, y en a pas un par là-bas de coffres? Genre vraiment? Vas-y, c'est relou. Vas-y, c'est chiant. Bon bah tant pis. J'identifierai plus tard. Saozef, 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 Osef, Osef. Ouais, non, mais il est loin. Chiant. J'y vais pas. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, go! Osef, il est trop loin. C'est à côté. Non, c'est trop loin. On s'en fout. Je ne pensais que j'avais pas mis le lutin pendant la coop.
Ah, puis en plus, y a pas Tina pour me rappeler, les... pour me dire lutin. Donc voilà, j'y pense pas. Alors, du coup, ok, par là-bas. Très bien. J'aurais tendance à pas suivre Mika bizarrement, moi. Je sais pas pourquoi. Et du blanc, ça me réussit pas. Ouais, non, mais c'est. Voilà, je. J'avoue, j'ai des doutes aussi maintenant. Moi, j'aurais dit à gauche, mais bon. Après, je peux me planter, hein, mais. Ça va. GG mon lézard. Il est passé level 13. Un peu comme s'il avait genre deux niveaux de retard. En même temps, il a quand même bien rattrapé. Parce que bon, on l'avait chopé. On l'a chopé level 5. Alors que nous, on était level 10 ou 10-12, un truc comme ça. J'ai un cargo de sel. Après, comme je dis, je peux me planter, hein, je dis pas, mais perso, j'aurais pris la route de gauche, voilà. Après, s'il faut, les deux routes même au même endroit, hein, ou s'il faut, je me serais complètement planté à gauche, hein, mais bon. Eh, franchement, c'est tellement cool d'interrupt de temps en temps, là. Tout le chemin mène aux provinces fluviales. Quelque chose me dit qu'on aurait dû être au-dessus là. Ah non, putain, j'avais cru lire fail. Non, c'est folle. Folle Terre Neuva. Ah. Ah, j'ai piffé le. La diversion, mais pas passé. Oh bah ça y est, ça passe aussi. Et du coup, je pense que... Bref, je pense que le chemin de gauche menait par en face. Pardon, on serait arrivé de la pente qui est droit devant là. J'ai entendu dire que vous aviez un fils, hein. Je suppose que ces gredins étaient vêtus de blanc. Ah mon dieu, Ombre me l'a dit. Ces bruits du plamenton ne sont pas allés loin. On y va, quand vous voulez. Voilà. Les provinces fluviales. Fluviales, pardon. Allez, j'en ai retrouvé un. Où qu'il est le deuxième?
Il est là le deuxième. Bon du coup, maintenant que le coffre et le marchand sont côte à côte... voilà, ça c'est bien. Ça c'est pas loin. Allez, petite identification. Pff, tellement pourri. Tellement pourri. Tac, tac, tac. Teinture. Voilà, c'est ok. Sérieux, quoi. Je peux pas avoir du rouge, j'en ai deux. J'ai 43 oranges. J'ai 4 roses, mille le dieu. J'en veux pas du rose. D'ailleurs, ça me fait penser. Il fallait que je recycle ça, là, tant que... Quoique, en fait, j'ai pas de recyclage. J'ai pas de recyclage expert, donc c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Voilà. Vous me dites quand c'est ok, comme ça je lance. Ok pour moi. Eh ben let's go! Les provinces fluviales. Coop qui peut être un petit peu longue si j'ai bonne mémoire de laquelle c'est. Ouais, je me souviens. Elle peut être un petit peu longue. Voler le sceptre d'or. Ne vous faites pas repérer en vous rendant au temple. Parlez à Dinas pour obtenir le sceptre. Et échappez-vous par le pont situé au nord-est. Bonus, les tours. Ouais, ça je m'en souvenais. Va falloir péter toutes les tours. Il y en a... On les voit pas. On les voit pas encore. Mais il y en a un petit paquet. Carte sous les yeux. Quoique, vu que c'est prophétie, je sais pas si elles vont apparaître sur la map. C'est plus sur NF que les objectifs étaient marqués. Du coup là ça va nous servir d'avoir un arc long. C'est pareil qu'on commence par la première ou par là? Ouais mais on va d'abord parler à Jacqueline. Lutin! Merci Mika. Vous devez faire très attention par ici, le blanc manteau voit tout depuis les tours de guet. Michel, t'ouvres la porte? Non parce que bon, le temps qu'elle se décide d'ouvrir la porte, j'attaque, hein, perso je me fais un peu chier. Ah je l'ai piffé trop tard. J'ai lancé trop tard la diversion. La serrure est vieille, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, non mais je me doute. Je me doute. Sur une porte où il n'y a pas de serrure. C'est bon, je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Y'a pas que la serrure qui est vieille, ouais, surtout. Alerte, alerte, c'est ça, hein. Comment ça, j'ai pas une vue dégagée? Fous-toi de ma gueule. Comment ça, j'ai pas une vue dégagée? Le jeu se fout de ma gueule, là. Le jeu se fout littéralement de ma gueule. Genre là, je peux pas être plus en face, là, je... Là, c'est bon, là? Ah bah non. Le jeu se fout de moi.
Le jeu se fout littéralement de moi. Je veux dire, là, je peux pas faire plus dégager, quoi. Mes amis, c'est moi, Syra. Je suis déguisé. T'es même tondu les cheveux, quoi. C'est... De l'autre côté de cette porte, une charrette pleine d'armes attend d'être acheminée vers la lame. Mais je ne peux pas franchir les tours de guet sans être fouillé. Si vous réussissez à capturer toutes les tours d'ici jusqu'au dock, je pourrai passer. Bref, faites le boulot à ma place, hein. Débarrassez-vous de la sentinelle de chacune des tours pour permettre à Syra de passer avec les armes. Bon, YOLO, hein. Enfin, comme d'hab, quoi. Et du coup, voilà, l'objectif, ça va être à chaque fois de buter le garde de la tour de guet. Ça va être lui notre objectif pour le bonus. Ah, et là, je le touche. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. La vision, c'est quand ça veut. De mémoire, il y en a une qui est par là-bas, non? 9 tours normalement. Ouais, il me semble que c'est ça. Évidemment, c'est pas marqué parce que c'est objectif bonus, donc objectif caché. Il n'y a pas une grotte à un moment aussi avec des chiens qui faisaient mal à l'époque. Enfin, du coup, moi, ils vont me faire très mal vu que j'ai pas d'armure mais et que j'ai 5 niveaux de retard. Enfin. T'as un site qui en marque 10, mais c'est faux. Ah. Ouais, là, il y avait une grotte. Et normalement, il y a des chiens. Voilà. Les molosses infernales. Enfin, infernaux, du coup. Vous, là. Nécro-cavalier. Teinture argentée. Wow. C'est pas ici. Non, là il y a que le... Comment ça s'appelle? Il y a qu'un archer nécro. Qu'un archer squelette. Vas-y, je pousse. Non mais... Vas-y, j'allais poule. J'allais poule à la flèche enflammée. Enfin, explosive. Wow, 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 wow. Ah. Tu nous fais des grosses frayeurs, Link. Ah non, mais moi je m'éclate, c'est bon. J'ai le petit suspense en plus, voilà, la petite pression du je vais pas mourir. Enfin, du je veux pas mourir, pas pareil. Bon, du coup, j'ai la vision ou pas sur lui? Ah, je l'ai. Ta-ta-ta, tu fais pas ton nom dans des trolls. Non, mais parce que voilà, moi c'est cool, j'ai un jeu dans le jeu, quoi, c'est... Juste, ne pas mourir. On a combien là d'ailleurs? 87 000 points d'XP sur
Enfin, presque 88 000 sur 140 000. Rien compris à tes signes. C'est pas mieux. Deux tours. Ah d'accord. Allez, on piffe. Piffe un tout petit peu trop tôt. Pif. Non. Là je suis toujours sur la baie. Ouais. Et il veut pas crever en plus. Hein. Ah mais il y a un autre qui le heal derrière, d'accord. Voilà. Ah, voilà, du coup j'ai pas de vision, c'est ça. Le pif. Ah, je lui ai piffé, mais là c'était un petit peu trop rapide pour moi. Allez, j'avoue la RT elle est drôle. Mais ouais, elle est trop bien. Les lignes de dialogue de Maritu sont trop bien. Ils sont juste beaucoup trop bien. Les invisibles ont été étrangement silencieux. Uh-huh. On commence à parler de choses intéressantes ici. RT si tu veux la tarte. L'époque où ritualiste sur prophétie ça voulait dire nécromancien. T'as bien changé. Le pif. J'ai pas passé. Ah là je l'ai. Ah là je l'ai plus. Ah oui, il a besoin d'aller aussi proche. D'accord. Tiens, juste ici. Bon, il n'y a pas d'abbé, ça va. Je fais le tour, j'y vois que dalle dans votre truc là. Pépé, pépé, pépé. Bon, comme je disais, hein, la coop va pas être difficile du tout. Elle va juste être un petit peu longue. Le temps d'aller chercher toutes les tours. Mais voilà, clairement, elle est pas compliquée. Bah alors, on se trimballe tout seul, toi là ? La pif !
Non, pas pif du tout. En vrai, pas pif du tout. Tu voles pas les cadavres de Manécro, toi. Les gens, ils se permettent, ils arrivent, ils veulent prendre mes cadavres. Non mais... Franchement, quelle idée. Pif! Oh, c'est passé! Bah par contre, je crois que la Ritu, là, aujourd'hui, elle a bugué sur les tartes, hein. Elle dit plus que ça. Bon, je sais pas combien de tours on est, par contre, j'ai pas compté. Y'a Sirius. D'accord. 6 de fait. Ok, ça marche. Hey, salut Luna, comment vas-tu? Tiens, j'avoue, on a déjà fait 6. Je croyais qu'on était à genre 3 ou 4. Mes amis, quelle joie de vous revoir. Quand je vous ai rencontré à Alessio, je ne pensais pas que je vous donnerais un jour le sceptre d'or. Vous devez faire vite. Les fanatiques seront bientôt là. Je vais vous montrer le chemin le plus court. C'est bien parce que le jeu il a déjà percuté que c'est Mika qui allait récupérer le sceptre. À l'est se trouve un pont qui mène de l'autre côté de la rivière Ulen. Tenez-vous à l'écart du sentier battu. Et surtout, évitez les tours de guet. Beaucoup sont morts pour ce sceptre. Protégez-le comme votre vie. T'as compris, Mika? Le sceptre d'or! On l'a volé! Les voleurs se dirigent à l'est! Vers la rivière d'Ulen. Ils n'iront pas loin. Il y a deux tours de guet. Il a deux voies. Entre ici et la rivière. S'ils les passent ou s'ils s'arrêtent, ne serait-ce qu'une minute pour réfléchir, nous les attraperons. Et sinon, celui le fait que... qui vole le blanc manteau ne vivra pas assez longtemps pour en profiter. Et sinon, quand on fait que t'es deux voies différentes. Normal, c'est moi qui lui ai parlé, il le donne à celui qui lui parle. D'accord. Nickel, et toi? J'aime beaucoup la magie du fond vert. Ouais, c'était pas prévu, mais du coup, voilà, je... Petit t-shirt vert, c'est... Voilà. Mais j'avoue, j'aime bien. Du coup, quand je vous ai rencontré... Oui, non, ça, il a dit. Ah, et Luna, t'as le salut de Blue Chihuahua également. Je peux pas faire de retour Windows, sinon mon jeu est désynchro. Ok, pas de souci. Tour en vue.
déjà faite. Oh, dragon. Elwynn, tiens donc, ça fait longtemps. En fait, il faut vraiment... Il faut que je suive l'histoire de Guild Wars, je comprendrai au scénar du dernier épisode de la troisième saison vivante de Guild Wars 2. Eh ben écoute, t'as les replays. T'as les replays de tout le début. Je surkiffe ces dragons. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Là-bas. Je sais pas. Ouais, là-bas. Ouais, je sais, mais c'est un bordel sans nom. Mais non! Le pif! Oh, le pif, il est passé! Nécro-cavalier, je le savais. Ah, bah voilà. Ils sont là. Sûrement parce que j'ai pas suivi les deux saisons précédentes, ni même l'histoire de Guild Wars. Ah, c'est vrai que si t'attaques la troisième saison et que t'as pas fait les deux premières, ni le premier jeu, j'avoue que ça peut... Ça peut éventuellement aider. Enfin, ne pas aider, du coup. Trop tard. Là, c'est peut-être le moment où on va avoir mal. Peut-être. Je l'ai dit. C'est, je dis ça, mais... C'est rien, les bébêtes tank. Ouais, les bébêtes, je les laissé faire, elles s'amusent. Faut bien qu'elles s'occupent, ces petites bêtes. Ah, je peux toucher d'ici. Ça fait mal que la première fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les premières fois, ça surprend, mais après, bon, ça passe. Quoi qu'il en soit, je révise mon jugement. J'adore les scénars de l'histoire vivante, même si les persos sont pas ouf. D'accord. Non, mais faudrait que je m'y mette. En fait, quand j'aurai les moyens de me payer les chapitres de l'histoire vivante que je n'ai pas, c'est-à-dire à peu près tous, sauf un, bah voilà. Allez, il reste deux tours devant. Oh, c'est vrai, il y a des géants là-bas, je me souviens. Finalement, ouais, on aura mis 21 minutes là pour l'instant, ça va. Ça va tomber. Ça va retomber. Ça va retomber. Et ça va retomber. Ah, il y a un potentiel retombage encore. Pas pour moi, mais il y était bien. Sans vouloir trop spoil, ils nous ressortent le blanc manteau, tu sais pas trop d'où, bref, je comprends bien, d'accord. Bah, après, de toute façon, dans Guild Wars, on défonce le blanc manteau, mais il en reste encore. Sans compter les Mursat. Mais là, je vais pas trop en parler, puisque bien évident, on verra ça plus tard quand on avancera dans le jeu. On va pas encore parler des Mursat. Mais voilà. Mais non. Voilà. Le pif qui passe. Ah bon, là je le vois pas.
Là, je le vois pas. Là, je le vois plus, il est mort. Vilain rôdeur. Ah, mais c'est ça qui est bien. Je sais même plus comment il s'écrit, je suis à l'ouest complet. Du coup, t'es encore sur prophétie. Ouais! On est encore sur prophétie, là, on a fait quoi? Combien de coop? On va aller voir. Ah non, c'est ses serviteurs. Titre protecteur de Thierry, on a fait 12. On fait la 13ème coop sur 25. La prophétie, c'est CIE, mais on se comprend. Tu parles d'un pool. Eh, pour une fois, c'est pas moi. Cela dit, j'allais pool à la flèche explosive, hein, donc dans l'idée, ça aurait fait la même chose. Dans l'idée, voilà. Et la dernière tour qui tombe, c'est le bonus de 1000 points d'XP. Ça va, j'ai pas encore trop manqué au niveau du scénar. Non, mine de rien, ça va, puisqu'en fait, le gros du scénario va pas tarder à se lancer, en fait. Pour l'instant, on a vu quoi? On a vu les chars, on a vu Rurik qui s'est fait buter. Ah, faut quand même le noter, ça. Et au final... On commence tout juste à voir, enfin, on commence tout juste. Si, on commence à voir le vrai visage du Blanc Manteau, même si on n'a pas encore toutes les infos. Ah, et pif, il est pas passé là. Là, c'est réflexe de deux tensions là. Ah ah! Vous ne passerez pas! J'aime bien comment il y a mon Kirin qui passe à côté en mode la 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 la. Ça va, ça je connais, j'avais pas encore décroché à ce niveau-là. Le sceptre d'or. Ça va alors. Ah, le moment de châtier nos oppresseurs est enfin arrivé. Je pensais que nous avions volé le sceptre pour l'éloigner du Blanc Manteau. Comment allons-nous l'utiliser? Nous ne pouvons pas. Seul Kilbron peut l'utiliser. J'ai négocié un traité avec l'ancien conseiller du roi d'or. En échange du sceptre, le vizir a accepté de nous aider dans notre lutte contre le Blanc Manteau. Le vizir Kilbron? Comment un seul homme pourrait-il accomplir ceci? Le vizir est un mage très puissant. Il peut nous montrer le chemin vers la victoire. Le soleil va bientôt se lever, et nous devons nous préparer à partir à la rencontre du vizir. Des nouvelles de Marquis? Marquis? Non. Pourquoi en aurais-je? Il ne vous a pas rejoint au temple? Non. Il n'en a jamais été question. Peut-être qu'il nous rattrapera au dock. Allons-y. Même le Blanc Manteau peut retrouver son chemin par-delà la rivière. Bah pour l'instant ils sont toujours en train de occuper à lever leur arme. Ah mon dieu, le pont est tombé, oulala. Et les 1000 points suivants pour la quête. Pour la coop terminée. Du coup voilà un personnage très important qui va nous être présenté, le vizir Kilbron. Bon, ce qu'on en sait pour l'instant. Oh, je suis presque level 16. L'arnaque. Ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que bah, c'est l'ancien conseiller du roi d'or. Hein. Vous savez, le truc qui a sombré au fond des eaux il y a beaucoup, 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 beaucoup d'années. Mais le vizir, il est encore là, donc voilà. Hein. Ça choque personne. Bref. Bon, rien d'intéressant. On va tout vendre. Marchand.
Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas relancer de co-op maintenant. Puisque on va pas tarder à se quitter. Et bah, je passerai bien mon level, moi, vite fait. Genre, aller buter 2-3 mobs dehors, histoire de passer le level. Ouais, celui qui est mort. Ouais, voilà, celui-là. Mais du coup, dans la prochaine co-op, donc mercredi prochain, on verra donc ce vizir Qilbron. Qui est un personnage extrêmement important. Bon, j'attends que les deux aient vidé leur sac. Et ensuite, très vite fait, on va aller buter 2-3 mobs dehors pour passer le level de Mika et le mien. Quoique Mika, je sais pas s'il va passer, il va prendre de l'XP ici. Je sais pas. Moi les go! La côte de la raie. T'as donné des fleurs à Gwen? Ouais, enfin Mika a donné des fleurs à Gwen. Pas pareil. Moi j'en ai gardé une et je ferai sa quête quand on sera sur l'œil du Nord. Vous sentez que là c'est le moment où je dis allez on va buter 2-3 mobs et je vais crever comme une merde. Vous le sentez ou bien? Ouais, le level up, enfin le level up, le point up de Mika. J'ai pris 1% sur 4 mobs. Enfin encore 4%. J'ai pris 1% sur 3 mobs. Instant karma très cher. Ouais, je le sens pas là, j'avoue que je suis pris d'un doute. Non, parce que bon, on est toujours en lice pour le titre de survivant. On est à 92 724 points d'XP sur 140 000. Autrement dit, level bientôt 16 sur 20. Sans mourir et sans armure. Oh putain, un drake de foudre. Je m'éloigne de vous. Parce que la chaîne d'éclairs, elle va faire tellement mal. Non, ça va. Il n'a pas eu le temps. Je sens que je vais crever. Je sais pas pourquoi, je le sens. J'ai pas de clé chrétienne, donc Osef, pour moi en tout cas. Prends pas le lutin. Ouais, si, je viens tout juste d'y penser. Tant qu'à faire, allons débloquer le havre du pêcheur. Allez. Tant qu'à faire. Ouais, mais ça donne encore plus de raisons de possibilités pour moi de crever, en fait. Parce que je rappelle, j'ai toujours l'armure d'Ascalon. Tant dire que autant me trimballer à poil. Eh, ça veut pas se passer, ce level, hein. Boss guerrier. Let's go. Ah bah il se fait attaquer en plus. Il se fait attaquer par quoi? Pas moi. Non, toujours pas moi. Voilà, level up. N'empêche que le mec il s'est tapé son sprint et il est moi. Je vais buter l'archer, il s'est dit. C'est voilà. Mec, il n'a vu que moi. Merci, les gars. Level 16, plus que 4. En vrai, 4 levels jusqu'à l'ascension, ça se fait. En vrai, ça se fait.
Enfin, 4 levels avant l'ascension, bien évidemment. En vrai. C'est jouable. Non, parce qu'à l'ascension, je vais forcément crever. Je sais tellement pas comment je vais la jouer, l'ascension, en fait. Je sais tellement pas. Va falloir... Va falloir jouer propre, avoir du skill, donc c'est mal barré, très clairement. Ça va être marrant. J'avoue que ça risque d'être drôle, tu prends que des esprits, ça passe easy. Ouais. On verra bien. Ah, y a une... Bon. Ouais, mais je te rappelle, c'est moi qui joue, hein. C'est moi. Avec interdiction de mourir et pas d'armure. Allez, le havre des pêcheurs. Mais l'armure, c'est qu'un détail. Ouais, c'est un détail qui a quand même 40 points. Au lieu de plus. Voilà, le havre des pêcheurs. Et c'est ici que nous, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Du coup, live qu'aura duré... Hein. Qu'aura duré le temps normal, mais en décalé. Allez, tac, la clé de la crit, clé chrétienne, on la met là. On va y stocker les 2-3 pognons que j'ai récupérés. Les quelques pièces que j'ai récupérées. Ah, 500 pièces quand même. Oh. Au pire, tu mets des compétences nulles, comme ça l'ascension sera facile. Ouais, non, mais j'ai envie de la faire legit, quoi, pas en mode... Quoi? Qu'est-ce que... Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Voilà, moi je vais me poser là. Voilà. Non, mais non! Tu mets un heal, un interrupt, tu lances le heal avant de commencer pour avoir une longueur d'avance et quand il claque le sien, interrupt. Ouais, non, mais on va le faire legit. On va le faire legit. Enfin, on va tenter de le faire legit. Voilà, on va tenter. Ça fait des trucs bizarres quand je... Ouais, tiens. C'est... Ouais, ça fait des trucs bizarres. Après, moi, je peux faire des... Bref. Bah vas-y, tourne-moi le dos aussi, Mika, tant que tu y es. Pourquoi je me suis bien de ton côté? Ouais, non, mais voilà. Nous retiendrons donc le mot tenter, exactement. En tout cas, voilà, nous, c'est sur cette image du groupe qu'on va se quitter pour aujourd'hui. On remarque quand même que Mika, il regarde pas devant lui, mais bon, ça, c'est pas grave, hein, voilà. D'ailleurs, Blue Chihuahua non plus. Mais du coup, c'est là qu'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que le live vous a plu. C'est le cas, vous le savez, le petit cœur en haut du live, c'est pour follow la chaîne. Ouais, j'ai un Kirin à travers le... Ah, ça va, c'est bon, il est parti. Du coup, il se relève. Ah là là, les gars. Allez, pour la peine, je vous screen, voilà.
Du coup, j'espère que ça vous a plu. Comme je disais, le petit follow, c'est le petit cœur au-dessus du live pour follow la chaîne. Vous avez bien évidemment aussi la possibilité de sub. C'est votre choix, à votre bon cœur. C'est un soutien pour la chaîne, etc. etc. Refais pas le blabla. Mais en tout cas, je vous remercie à tous d'être venus. Nous, d'ailleurs, on va très probablement se retrouver dans l'après-midi pour, sur la chaîne perso pour du Guildor 2. Et d'ailleurs, pour la petite info... attendez. Alors, tech... Ah non, ça c'est bon. Bon, déjà, je vais couper le replay parce que là, c'est en train de galérer.